Et bonjour tout le monde. On se retrouve pour ce Talos Principle, le principe de Talos. Alors, c'est pas un jeu que j'ai que je suis en découverte puisque je l'ai déjà fait il y a longtemps. Il y a 2 ans peut-être. Et j'avais envie de le faire découvrir. De refaire de redécouvrir le Talos Principle. Apparemment il y en a deux. Je pourrais avoir des informations sur le Talos Principle 2, please. Je suis intéressé s'il y en a deux. The Talos. Un petit instant, je regarde, ça coûte rien. Ah, il y a la version VR, ouais. Non, apparemment pas sur Steam, mais peut-être que. Tout. Sans critique, là. En 2021. Oh ben, on a le temps. Allez. Donc, on va le refaire. Je vais le refaire en live. Et on a enregistré pour YouTube. Nouvelle partie. Et on apparaît comme ça sur un hôtel. Te voici, mon enfant. Tu es issu de la poussière et marche en mon jardin. Entends ma voix et sache que je suis ton créateur et que mon nom est Elohim. Cherche-moi dans mon temple pour prouver ta valeur. Ok. Donc ça commence comme ça. Donc Elohim. Elohim qui signifie l'unique Dieu, je crois. Un truc comme ça. Je sais plus. Et je remarque que le son du jeu est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Option audio. Volume général. Voilà. Pitié. Mes tympans se. Ouh, voilà, mes oreilles vont mieux. Déjà mieux. Mais il y a un petit truc qui me chiffonne là. Mixeur, t'es pas. Tu fonctionnes pas? Et bébé, oui. Un petit instant, petit réglage. J'ai changé un peu quelques petits trucs hier soir. Et donc, offline. Pourquoi offline? Non? Mets-toi en live. Petit instant. Twitch offline. Bah. Twitch il est line, hein. Il est pas offline, hein. Il fonctionne sur Twitch. Bon, c'est pas grave.
Je m'en fiche. On va commencer. Je reçois un mail, un petit instant. Décidément. Alerte. Quoi, alerte? Remove. Ok. Non, je m'en fous. Donc là, on a une porte. Infranchissable. Là, on a un brouilleur. Le début est assez simple. Hein. Moi, j'adore les décors, franchement. Voilà. Gestion des tâches complexes, ok. On considère que c'est une tâche complexe. Nous sommes la version V99. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de modèles avant nous. V99-0001, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Ça, c'est une mine. Si on approche trop, si on rentre dans le périmètre d'action, elle explose. Je ne sais pas où je suis, mais il y a quelque chose de magnifique dans le lieu. Je vais explorer et voir ce que je peux découvrir. La version 17. C'était ma version 17. Il y a des secrets hein, dans ce... Merde. Putain. Partout sur cette terre, j'ai créé des épreuves auxquelles tu devras te soumettre. Et au cœur de chacune, j'ai caché un sigil. Ton but est de retrouver ces sigils, car ainsi tu serviras les générations à venir et accéderas à la vie éternelle. Je sais plus ça sert à quoi. Je me souviens qu'il fallait que je prenne les deux. Mais je ne sais plus pourquoi. Il n'y avait pas un truc avec une échelle dans le coin, je sais. Où est-ce que j'ai rêvé? Comme je dis, on peut sauter, mais on peut pas vraiment sauter haut. Hein. On peut pas faire d'escalade. Il me semble que. Donc il y a des secrets comme j'ai dit et je sais qu'il y a un secret dans le coin mais je ne sais plus quoi. Je me trouve dans un monde à l'architecture impossible, empli de machines inexplicables. Je n'arrive pas à comprendre son fonctionnement et j'hésite à mettre un pied devant l'autre, par peur de tomber à travers le plancher. Celui qui croit. Version 10.1. Voilà, là il faut. Il faut 3 sigils pour ouvrir. On peut tricher hein, comme ça en prenant des affaires. Regarde, hop, j'ai triché. Normalement, il fallait que j'attende patiemment. Il y a un truc là ou pas? Non. Et voilà, il est enfermé. Il faut vérifier toujours si on peut pas. Les formes que tu collectes ne sont pas de simples jouets. Ce sont les sigils de notre nom. Chacun te rapproche de l'éternité. Il faut vérifier si on peut pas atteindre des trucs comme ça, voir si on peut pas désactiver des autres trucs. Par... Donc chaque pièce on peut l'utiliser avec tout ce qu'on a, mais parfois on peut
peut faire des trucs. Et ça, c'est un mur infranchissable en fait. Hein. Donc c'était pas ici que je devais l'utiliser. C'était où ça? Je suis sûr que je peux l'utiliser quelque part. J'ai le vague souvenir. Le vague souvenir que on pouvait pour l'utiliser pour un secret, on pouvait utiliser ça pour désactiver quelque chose en secret. Je pourrais faire. Ah, en secret. Ça se voit que je connais un peu le jeu, hein. Une étoile. Ah, j'ai cru voir un mot. Utiliser pour ça. Y a-t-il quelque chose ici? Oui, un deuxième brouilleur. Regardez ici. Pour transporter les deux brouilleurs, c'est très simple. Il faut faire comme ça, et normalement, on fait comme ça, comme ça. Voilà, et là on devait désactiver le brouilleur, vous voyez. C'est assez simple, mais vu que je triche. Eh bien mon enfant, il ne te manque plus qu'un seul sigil. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, je crois. Ah oui, quand on a fait quelque chose, il nous le marque. Hein. Ils disent voilà, il est fini. Tu n'auras pas besoin de ce sigil pour ouvrir la porte de mon temple, mais il pourra te servir par la suite. J'aime bien. Ce jeu, il est contemplatif. Je l'ai laissé où le... Ah, j'ai laissé là. Je pourrais l'utiliser, mais je vais pas l'utiliser. Je vais faire le truc correctement, comme il est censé être fait. Voilà. Il est censé être fait comme ça. Et là, il est bloqué. Là, tu fais ça. Et voilà. Je sais que je vais vite pour les énigmes, mais en fait, c'est très... Parce que les énigmes de début, elles sont très faciles. Tu possèdes déjà ce sigil en abondance.
Là, j'ai désactivé la tourelle, donc je peux la prendre. Je peux prendre ça sans crainte de me faire tuer par la... Putain, à chaque fois, ça me stresse. Mon temple t'attend, mon enfant. Va. Mais ça sert à quoi celui-là? Ça... Pourquoi il met... Alors. Alors. La BM ne répond pas. Qu'est-ce que c'est? Tapez aide. Alors on va taper aide. Ouvrir la BM. Quel est le premier mot de la dernière phrase que j'ai écrite? Êtes-vous capable de vous vexer, espèce de bidouille inutile? Décrivez vos fonctions. Sans Milton est conçu principalement pour trier et classer les données des archives de la bibliothèque. Accessoirement, il facilite l'interaction de l'utilisation avec des ressources de la bibliothèque qui a une interface de langage humain intelligente. Prenez également une puissante fonction de mise en réseau et de dépannage. Votre quête? Nadab ressources le afin s'est arrêté le 27 juillet 2017. Combien de temps ce système fonctionne-t-il? Un millénaire. 9 millénaires. 10 000 ans quoi. 10 000 ans. Capable de vous vexer, espèce de bidule. Quel est l'état de l'archive de la bibliothèque? 47 versions pendant. Espace. Cependant, la majorité des ressources de biais sont copiées et non valides. Bon, mais en même temps, 10 000 ans, c'est normal que les données se corrompent. Surtout qu'on n'a pas mis encore, on n'arrive pas encore à garder les informations sur les cristaux de quoi ce bruit. Ok. Tout l'internet en 2003. Quels sont ces terminaux? Il me permet d'accéder à l'archive des ressources des bibliothèques, d'accord? La cause de la récupération des données, bah le temps. Les données sont inévitables dans tout le système, en outre, un grand nombre d'incohérences ont été détectées lors du tri, conduisant à la validation de certaines données. Oui, mais en même temps, les données humaines sont incohérentes. Quel est le premier mot de la phrase? Oubliez la bibliothèque, pouvez-vous répondre à des questions sur le monde extérieur? Êtes-vous capable de vous fixer? Oubliez la bibliothèque, pouvez-vous répondre à des questions? C'est le monde extérieur. Quand on est limité ou l'archive de BM, vous pouvez avoir des questions sur d'autres choses, mais des réponses seront peut-être limitées. Qui est Elohim? Elohim est le nom qui désigne un dieu ou des dieux en hébreu moderne et ancien. Que suis-je? Je suis connecté à un compte invité. Où suis-je? Vous êtes actuellement dans une session d'assistance dans la mobile d'information. À tout moment, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Encore un mail. Qu'est-ce qui se fait? Vous arrêtez de me... Ça, c'est dingue, ça. À chaque fois, il y a personne qui m'envoie de mail, qui m'envoie des SMS et tout le bazar. Mais au moment où je fais un live, ça y est, ça... Pouvez-vous vous fixer? Vous ne pouvez pas m'insulter. Quel est le dernier mot de la dernière fois que j'ai écrit? Quittez.
À toi de trouver. À toi de trouver. Voilà comment je vois les choses. Il n'y a pas de manuel qui explique comment marche le monde. Il faut arriver à le comprendre par soi-même. On saisit quelque chose par ici, quelque chose par là. On essaye de les mettre ensemble pour lui donner un sens. Je suis convaincu qu'il y a une vérité, mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui prétendent la connaître ont raison. Et ce n'est pas forcément un mal. On vit dans un monde fantastique et y rechercher la vérité, c'est ça la vraie aventure. En plus, c'est bon pour le cerveau. Bref, voilà quelques réflexions un peu décousues de ton vieux père. Ne te laisse pas abattre par tout ça. Tu es jeune, tu as légèrement le temps de te faire... tes propres idées. Bisous. Bisous. Je sais pas c'est qui mon père, mais voilà. Athénacise. Athéna dans le jardin des Spirides. N'avait pas confiance en eux, mais elle ne dépassait pas avec une telle grâce, une telle noblesse, qu'il était difficile de ne pas s'effondrer, s'enfoncer davantage dans leur suite, à leur suite dans cet étrange jardin d'empennage et d'ouvrage. L'amena à un endroit où des arbres en cuivre semblaient pousser ensemble, formant une sorte de salle rappelant étrangement une chapelle. Au milieu de cette salle poussait un arbre plus petit, un ancien bleu, et sur cet arbre trônait une unique pomme d'or. Cette pomme, dirent les nymphes à l'unisson, les yeux incandescents, confère le don de l'immortalité et de la sagesse véritable. Beaucoup de héros et quantité de scélérats sont venus tenter de s'en emparer, mais tous ont échoué au dernier moment, car vous devez savoir que l'immortalité révèle le caractère mortel du monde, et la sagesse véritable de sa folie sans limite. Qui voudrait porter ce fardeau? Certains disent Héraclès. Contemple les étoiles et pleura. Ah, je suis intéressé par... C'est de l'hexadécimal. Tiens, je me demande. Traduction, hexadécimal. Hexadécimal. Mais non, je m'en fous, convertir tout en texte, voilà, merci. Non, parce qu'il m'a mené une traduction d'hexadécimal en anglais, merci, mais j'en ai rien à foutre. Non, pas text to x number to text. Voilà. Voilà, pour, juste pour information, 54, 48... 45 20 45 54 45 52 4 2, 4. Juste pour vérifier si si ça veut dire quelque chose ou si c'est juste pour dire genre. Non, passé, pas XC, voilà. 20 47 41 52 44 45 4 Ça veut dire le gardien éternel. Voilà, tout ça veut dire juste le gardien éternel. Le gardien éternel contemple les étoiles et pleura. Bienvenue. C'est un mail. Rebonjour, je suis désolé si vous avez parlé un peu bizarre lors de la réunion. Je sais que vous étiez nerveuse, mais je dois vous confier que moi aussi, je l'étais. Peut-être difficile de te croire, mais je suis un peu intimidé. Vous êtes si jeune et vous avez déjà accompli tant de choses. Si la situation avait été moins désespérée, je serais sans doute vert de jalousie. Il y a aussi quelque chose que je voulais clarifier. Je me rends compte que d'un point de vue formel, c'est moi qui dirige ces recherches, mais c'est votre projet et tout le monde doit respecter cela. Et oui, je sais, vous n'êtes pas habitué à travailler comme ça, mais à partir d'aujourd'hui... C'est vous qui devez demander. Pas de pression. Nettoyons. Démettons-nous au travail. Nettoyons. Je lis vraiment mal. Oui, je peux réaccéder au texte si j'en ai envie. C'est
bizarre. Il me semblait qu'il y avait un truc avec une échelle ici. Quelque chose. Mon enfant, tu n'as pas besoin de recueillir tous les sigils à la fois. Tu es libre de revenir à cet endroit chaque fois que tu le désires. Pam 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 pam. Ah, ça va. Franchis la lumière, mon enfant, et mon temple te sera révélé. Non, je ne veux pas mourir. Wizbot, je pensais t'avoir désactivé, toi. Non? J'ai raté mon coup? Il faudra que je cherche comment le désactiver. Pourquoi j'arrive pas à me connecter pourquoi j'arrive pas à lancer le live sur sur Mixer? Ah, je reviens. Désolé. C'était le marchand de pizza qui m'apporte ma pizza. Livreur de pizza, marchand de pizza. Ça, c'est l'alarme qui s'est remis en marche. Voilà. Tu es bien assidu. Ce trait de caractère te sera peut-être utile par la suite. Et oui, j'aime bien finir le jeu en 100%. Ce qui m'énerve, parce que j'ai pas fini ce jeu à 100%. C'est pour ça que je le refais aussi. Pour en finir à 100%. Il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. Il me manque un sigil. Ah non, j'ai tout pris. Tous les sigils. Toutes les étoiles. Bon bah écoute, ce monde est fini. J'ai détruit ce monde. Au revoir. Tu marches maintenant sur les pierres de mon temple. Où s'ouvrent de nombreuses portes. Sache que j'ai d'autres temples, car mon jardin est plus vaste que ce que ton œil peut percevoir. Sache que tous ces mondes, je les ai créés pour toi. Il les a créés pour moi. Donc, moi je vais faire une pause. Le temps de manger ma pizza, parce que moi j'ai faim. Miam miam miam. Miam miam miam. Et on se retrouve tout à l'heure. Et aussi, je vais comprendre pourquoi Mixer il veut pas se lancer aussi. Allez, à tout à l'heure.